Bonjour à tous, donc je suis Olivier Vidal, moi je suis directeur de recherche au CNRS, j'ai un passé de géologue et parmi les risques systémiques dans un monde en basculement, qui est le titre de cette table ronde, ce qui m'intéresse vraiment c'est les évolutions rapides que l'on doit mettre en œuvre pour respecter pour assurer une transition énergétique qui est un sujet tout à fait majeur du 21e siècle. Alors je préfère évolution à basculement, hein, parce que basculement, il y a une notion de déséquilibre qui est réelle bien sûr, mais on a l'impression aussi qu'on va du mauvais côté. Moi je vois plutôt ça comme une évolution qui peut être qu'il faut voir comme une évolution positive, puisqu'elle est la condition de notre survie, on va dire, et donc elle doit être absolument réalisée. Alors cette transition énergétique, on veut la faire évidemment pour des raisons qui sont assez claires, hein, et pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre qui ont des conséquences prévues, tout à fait délétères, non seulement chez nous, c'est-à-dire dans des pays développés comme la France, mais également partout dans le monde. Alors quand même à des degrés divers, hein, mais ce que l'on veut faire, c'est assurer au moins cette transition dans l'environnement que l'on connaît. Alors, bon, y a, avant de rentrer dans le vif du sujet, de ce qui m'intéresse vraiment, on peut voir trois phases, hein, dans une évolution, et notamment celle de la transition énergétique. La première, ça a été de prédire un peu les conséquences d'une augmentation du climat, et si on suit une tendance qui existe depuis des dizaines d'années. Bon, ça c'est quelque chose qui est fait depuis longtemps, c'est pas quelque chose qui est nouveau, les scientifiques travaillent depuis très longtemps sur cette prévision des impacts et des conséquences. Après, il y a une phase d'imaginer des solutions pour éviter ces conséquences dramatiques, et puis après, la troisième phase, évidemment, c'est d'appliquer les solutions que l'on peut envisager. Donc, je répète, cette première phase de constat, à mon avis, n'est pas à discuter ici, bon, on connaît brièvement les conséquences. Plutôt ce qui m'intéresse moi, et je pense que c'est un des enjeux majeurs pour le futur, c'est d'envisager des solutions et des solutions qui peuvent être adaptatives au cours du temps. Donc ces solutions, elles reposent, en tous les cas la vision qu'on a jusqu'à présent, elles reposent en grande partie sur une dimension technologique, c'est-à-dire c'est remplacer une infrastructure de production et d'utilisation d'énergie qui émet des choses un peu nocives, un peu beaucoup, comme des gaz à effet de serre, par une infrastructure qui serait plus vertueuse en termes au moins d'émissions. Alors ces solutions technologiques elles-mêmes induisent d'autres problèmes qui sont notamment une consommation de matériaux, et bon, moi c'est mon dada, hein, de métaux qui sont soit des métaux de base, soit des métaux très spécifiques, induisent une surconsommation de ces métaux par rapport à une infrastructure plus classique, parce qu'on a des intensités matières qui sont différentes, c'est-à-dire que pour une même unité de puissance installée ou d'énergie produite, eh bien, dans le cas d'une éolienne ou d'un panneau solaire, on a besoin de plus de métaux que dans le cas d'une centrale thermique classique, voire nucléaire. Donc même si on veut garder notre capacité, on va induire une surconsommation. Et puis la technologie fait qu'on a besoin également de nouveaux métaux que l'on n'utilisait pas auparavant. Donc ça veut dire que finalement, cette transition énergétique nous permet de régler un problème qui est majeur, mais va engendrer d'autres problèmes qui peut être une surconsommation de matières premières, donc de ressources fossiles, mais pas seulement, parce que pour produire ces matières premières, il faut beaucoup d'énergie, donc ça veut dire que ça peut éventuellement induire également une surconsommation d'énergie, d'eau, enfin bon, différents impacts qu'il va falloir gérer. Et une des questions qui se pose, c'est est-ce que d'abord, est-ce que l'on a assez de ressources pour assurer à la fois un changement de technologie concernant à la fois la production mais également la consommation d'énergie,
et également assurer le développement économique de pays peuplés, qui sont actuellement des pays avec un PIB par habitant qui est relativement modeste et qui n'ont qu'une aspiration, c'est à augmenter ce niveau de vie. Ce qui nécessite également une consommation de ressources très importante. Donc est-ce qu'on peut faire les deux en même temps, assurer ce développement économique, on va dire global, et orienté actuellement vers, bien sûr vers les pays les plus pauvres, tout en assurant une transition vers un système énergétique plus vertueux. Et là, la réponse n'est pas complètement immédiate, hein, puisqu'on a en fonction du développement économique des pays, une grosse augmentation de la consommation. En fonction de cette vitesse de développement, ben, on peut arriver à des scénarios où on a clairement des inquiétudes très fortes sur la disponibilité de ressources. Alors, ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, c'est remplacer des ressources de bonne qualité par des ressources de moins bonne qualité, plus abondante. Est-ce qu'on pourra le faire dans le futur, c'est-à-dire continuer à augmenter nos réserves de ce type-là? C'est en tous les cas un point de discussion et qui doit mettre en jeu, pour essayer d'y répondre, des modèles dynamiques qui doivent être assez élaborés pour vraiment représenter la situation réelle des évolutions de concentration des gisements, enfin des choses un peu particulières, également des technologies, prendre en compte les évolutions de niveau de vie des différents pays. On ne peut pas travailler à l'échelle d'un pays uniquement, puisqu'un pays a des frontières perméables, et donc on est impacté évidemment par ce qui se passe à l'autre bout du monde. On le voit actuellement, hein, avec les pénuries de matières premières, ou de composants électroniques pour les voitures, hein, où on est obligé d'arrêter nos chaînes de production parce qu'il y a des choses qui se passent à l'autre bout du monde. Voilà. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, hein, et je crois que les enjeux sont là. Mais ça, c'est qu'une partie de la solution, finalement, parce que ça ne fait qu'envisager des solutions. La manière dont on les applique, ça, c'est encore autre chose, c'est encore un autre niveau. Je pense que ça sera discuté par mes collègues avec une dimension plus politique, je dirais, et également d'adhésion des populations à des changements. Et ces changements, c'est très important. Il y a, au-delà des enjeux de la transition énergétique, c'est ce qui m'intéresse aussi dans ces affaires-là, c'est la vitesse à laquelle on doit prendre des décisions maintenant, puisque si le constat avait été fait qu'on allait du mauvais côté, ben, pendant des décennies, il se trouve qu'on n'a rien fait. Donc maintenant, il y a vraiment urgence, et une très très grande urgence. Donc comment est-ce qu'on arrive à prendre des décisions, à entraîner une population et à accepter le changement, puisqu'on est tous reluctants en général à un changement. Ça remet en question beaucoup de, ou ça pose beaucoup d'interrogations en tous les cas, hein, sur la liberté individuelle, sur les contraintes qu'on peut mettre sur une société et comment on peut convaincre les gens qu'il faut aller dans un certain sens. On a eu des exemples il n'y a pas si longtemps, hein, d'opposition au changement, voilà. Et puis dans la notion de vitesse, et je terminerai là-dessus, il y a une deuxième composante qui me semble importante, c'est qu'on peut identifier, alors je prenais l'exemple des matières premières, là, un surcoût par exemple de matières premières pour bâtir une nouvelle infrastructure qui correspondrait à en utilisant des énergies renouvelables, etc., enfin en émettant moins de CO2. Mais est-ce que cette surconsommation, qui est un prix à payer, est vraiment un problème si on regarde sur le très long terme, ou après on sera gagnant? Donc on peut imaginer une période de transition qui va être très compliquée, qui va être coûteuse, où il y aura obligatoirement des perdants et des gagnants, mais il ne faut pas perdre de vue que ce qu'on paye actuellement, c'est ce qui nous permettra d'être gagnants sur le long terme. Donc voilà, c'est toutes ces choses, moi, qui m'intéressent, et dans les enjeux, au-delà d'une décision très dure d'appliquer une politique, c'est la manière dont on l'accompagne et bien comprendre tous les couplages entre la société, la technologie, l'énergie, etc. Voilà, moi, je pense que c'est un des enjeux importants, même si je ne néglige pas du tout le fait qu'il faut prendre des décisions rapidement. Merci Olivier. Donc Gaël Giraud, je suis directeur de recherche au CNRS.
et directeur du Georgetown Environmental Justice Program à Washington. Pour prendre la suite en fait, de ce que tu viens de dire, Olivier, je vais essayer d'aborder trois points. Le premier, c'est plutôt les aspects matières, qui vont faire écho à ce que tu viens de dire. Le deuxième, plutôt les aspects économiques et financiers. Le troisième, je dirais quelques mots sur les aspects politiques. Sur les aspects matières, et ça prolonge exactement ce que tu viens de dire, mon impression, c'est que au fond, dans les années qui viennent, il va y avoir un rectangle magique ou infernal, selon qu'on peut y répondre ou non, qui va s'imposer un peu à tout le monde, à tous les pays, mais qui s'impose aussi à la France, qui n'est pas spécialement bien dotée de ce point de vue-là. Les quatre sommets du rectangle, c'est les minerais, l'eau, l'énergie et la biomasse. La France est riche en biomasse et pauvre à peu près en tout le reste, y compris en eau. Les travaux du WRI, le World Resource Institute à Washington, laissent entendre que nous pourrions manquer d'eau potable, d'accès à l'eau potable dans les années qui viennent, même d'ici 2040. Ce sera moins grave qu'en Italie et en Espagne, où c'est déjà problématique aujourd'hui, mais ça va devenir un sujet dans les années qui viennent. Alors, pourquoi ce rectangle-là ? Parce qu'il y a des liens de dépendance très étroits. Alors, tu en as déjà parlé il y a un instant. Pour extraire des minerais, il faut de l'eau et de l'énergie. Pour avoir de l'énergie, il faut des minerais. Et pour avoir de l'eau, ça c'est moins bien compris, il faut aussi l'énergie. Exemple, le Maroc et la Tunisie, comme vous le savez sûrement, manquent déjà cruellement d'eau aujourd'hui. Ils sont dans une situation où la sécurité nationale est en jeu à cause du manque d'accès à l'eau potable. Et envisagent tous les deux, de manière très sérieuse, la désalinisation de l'eau de mer, que ce soit la Méditerranée ou l'océan Atlantique. Simplement, pour désaliniser, il vous faut beaucoup d'énergie. Il se trouve que le Maroc a lancé un programme d'accès à l'énergie solaire assez important il y a quelques années, en partie d'ailleurs financé par l'AFD, avec l'immense centrale de Ouarzazate, ce que n'a pas fait la Tunisie. Et donc la Tunisie se trouve dans une situation beaucoup plus compliquée dans les années qui viennent d'accès à l'eau potable, et pas le Maroc, alors que les données géophysiques sont à peu près les mêmes, en gros, parce que la Tunisie n'a pas accès à l'énergie à laquelle le Maroc a accès. Donc vous voyez, il y a un lien entre ces trois sommets du rectangle. Et puis la biomasse, c'est assez évident, à la fois parce que, quoi qu'il arrive, on a tous besoin de se nourrir, et ensuite parce que la biomasse a un impact sur l'eau. Comme vous le savez, s'il y a une forêt ou s'il n'y a pas de forêt, ça donne une pluviométrie différente. Et puis parce que la biomasse a besoin d'eau. Et puis évidemment parce que, comme vous le savez aussi, on va être confronté, ou on est déjà confronté à des arbitrages massifs sur l'usage des sols, selon qu'on veut avec ces sols nourrir des hommes, du bétail ou produire de l'énergie, par exemple. Voilà, et donc je crois que, en termes, disons, de réflexion géostratégique pour les années qui viennent, y compris pour un pays comme la France, si on prend ces quatre sommets du rectangle et si on se dit quels sont les moyens qui sont à notre disposition aujourd'hui pour sécuriser l'accès à ces quatre sommets, on a déjà une bonne partie à la fois du problème et de la solution. Bon. Et du côté, par exemple, industriel, ça me semble assez clair que ça implique un changement assez drastique de paradigme industriel du côté de ce que certains parmi nous, hein, Philippe Biwix et d'autres, ont appelé l'industrie low-tech, c'est-à-dire une industrie qui soit pauvre, dont l'empreinte matérielle soit pauvre, à la fois en minerais, en énergie, en eau et en biomasse. Et vous voyez que ça, c'est un changement complet de représentation de ce que c'est que l'industrie. Mon expérience, on l'a encore vérifié il y a une semaine avec quelques-uns d'entre vous ici en Suisse, donc la semaine dernière, l'industrie suisse n'a aucune idée de ce que c'est que l'industrie low-tech. C'est complètement neuf pour eux, quoi. J'ai fait la même expérience en Italie il y a un an et demi. Donc petit à petit, le sujet est en train de monter, en particulier en France, grâce à quelques acteurs majeurs sur la question comme le Shift, merci à eux. Mais dans d'autres pays européens, ce n'est pas encore le cas. Il y a un énorme travail de prise de conscience de la nécessité de changer de paradigme industriel qui est à faire. Deuxième point, la question économique et financière. Dans cette affaire, c'est assez clair, me semble-t-il, que le secteur privé ne pourra pas assumer la totalité des frais et des coûts d'investissement de la transition énergétique et écologique. Donc il faut un investissement public. Je ne vois pas comment on s'en sort sans investissement public. Or, comme vous le savez aussi bien que moi, on est dans une situation où nous croyons à tort ou à raison que la contrainte des finances publiques est très forte et que le surendettement généralisé de tout le monde rend impossible le financement d'un grand Green New Deal, par exemple, en Europe, d'un Green New Deal sérieux, pas ce qu'on est en train de faire au niveau européen. Alors là-dessus, ça me semble très important d'insister. Je veux dire, les règles budgétaires qu'on s'est données et les règles de comptabilité qui font qu'on a de la dette, on peut les changer. En revanche, les deux premières lois de la thermo, on ne peut pas les changer. Et donc il vaut mieux qu'on bidouille nos dettes, me semble-t-il, et qu'on arrive à une planète habitable dans quelques décennies, plutôt que le contraire. Alors qu'est-ce que ça signifie très concrètement ? Ça signifie qu'il y a des options qui doivent être discutées aujourd'hui et qui en fait le sont, mais qui le sont hors des caméras et des micros, sur ce qu'on appelle des swaps de dettes. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez plein d'acteurs publics et privés qui sont aujourd'hui surendettés,
Il n'y a pas que l'État français. Hein. Le Japon a 250% de son PIB de dette publique aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus que la France. Bon. Et le secteur privé, je le rappelle à tout le monde, est plus endetté que le secteur public, partout. Donc tout le monde a beaucoup trop de dettes. Et donc il y a une option qui est de dire, eh bien, les créanciers vont accepter, consentir à renoncer à une partie de leurs créances, donc annuler une partie des dettes en échange d'un swap de dette, en échange du fait que le débiteur s'engage avec l'argent qu'il récupère, implicitement, à investir dans le vert, dans la transition énergétique, écologique, quel que soit le sens qu'on veut lui donner à ceci de manière précise. Alors premièrement, des swaps de dette, ça se fait tous les jours. Donc l'AFD pratique ça en permanence avec un certain nombre de pays, par exemple africains, mais pas uniquement, qui n'arrivent pas à rembourser leur dette publique. Nous l'avons fait il n'y a pas très longtemps encore avec des pays de l'Est européen. Donc quand j'entends un certain nombre de responsables politiques dire « les dettes, ça se rembourse quoi qu'il arrive », c'est juste un mensonge. Nous annulons des dettes partiellement depuis des décennies, voire des siècles, ce n'est pas une nouveauté. La nouveauté ici, c'est de dire on a absolument besoin, et c'est dans l'intérêt du créancier lui-même, de renoncer à une partie de sa créance pour pouvoir survivre. Il faut que le créancier comprenne ça. Alors tant que le créancier vivra dans l'imaginaire de l'île déserte, que ça s'appelle la planète Mars, la Suède ou que sais-je d'autre, où il pourra toujours se réfugier lorsque son débiteur sera mort, bon, il exigera que son débiteur rembourse la dette. Si le créancier comprend qu'il a intérêt lui-même à renoncer à une partie de sa créance pour que lui et son débiteur puissent survivre, alors ça va changer une partie de la donne. Je sais qu'il y a des discussions sur ces questions-là en ce moment, au FMI, à la BCE, etc. Je pense que ce serait bien que ces discussions entrent dans le débat public, dans le débat démocratique. Au niveau européen, ça me semble assez clair qu'on est dans une situation très spécifique parce qu'il se trouve que la BCE, pour des raisons dans le détail desquelles je ne vais pas revenir, a acheté beaucoup de dettes publiques depuis 2009, en particulier depuis 2015, mais ça a commencé dès 2009. Et comme vous le savez sûrement, elle a plus de 2000 milliards d'euros de dettes publiques des pays membres de la zone euro à son bilan. Donc elle est la créancière de ses actionnaires. Parce que les États de la zone euro sont les actionnaires de la BCE. Donc on est dans une situation qui n'a aucun sens économique et qui sert d'alibi à l'imposition de programmes d'austérité qui rendent impossible la mise en œuvre d'un grand plan de transition écologique comme on en a absolument besoin en France. Donc il y a une option claire qui est de dire que la BCE va renoncer à ses créances, au moins une partie d'entre elles, vis-à-vis de ses débiteurs que sont les États membres de la zone euro qui se trouvent être ses actionnaires. Donc il y a une bonne raison de vouloir annuler ses dettes. Je rappelle à tout le monde, mais on ne va pas rentrer dans le détail technique ici, que ça ne coûtera rien à personne, que ça ne mettra pas en faillite la BCE, qui ne peut pas faire faillite, et que ce sera même bénéfique certainement pour la réputation de l'euro. Parce que les investisseurs étrangers se rendront compte que la zone euro prend au sérieux la transition écologique et se donne les moyens de survivre dans les décennies qui viennent. Donc c'est une option, je suis certain qu'elle va être discutée dans les années qui viennent. Il faut juste qu'un certain nombre de mes collègues économistes orthodoxes consentent à ce qu'on en discute démocratiquement, plutôt que ce soit discuté dans les couloirs de la BCE ou du FMI. Deuxième aspect de l'économie, et après, pardon, je suis trop long, je passe à la politique. Deuxième aspect, il y a quand même aussi un autre éléphant dans la pièce dont on ne parle plus du tout aujourd'hui, qui est la prochaine crise financière. Je redis que nous sommes aujourd'hui au sommet d'une énorme bulle spéculative financière. Les banques n'ont absolument rien appris de ce qui s'est passé en 2008, ont recommencé à faire de la spéculation sur les marchés financiers. Vous le savez sûrement, les indices boursiers n'ont jamais été aussi hauts que pendant la crise du Covid. Donc pendant que les économies réelles s'enfonçaient dans les marécages du Covid, les spéculateurs boursiers s'en sont donnés à cœur joie. Ils n'ont jamais gagné autant d'argent que depuis un an et demi, ce qui est un petit paradoxe. Alors comment est-ce que c'est possible? Ça n'est possible que grâce aux politiques de quantitative easing, d'assouplissement monétaire des banques centrales. Pourquoi? Parce que la sphère financière occidentale n'est plus alimentée aujourd'hui par les excédents commerciaux de la Chine, qui était sa source essentielle d'alimentation en argent venant de l'économie réelle jusqu'en 2009. Donc aujourd'hui, vous avez une sphère financière occidentale qui gonfle encore plus rapidement qu'avant 2008, qui est alimentée par les politiques monétaires des banques centrales. Donc les banques centrales aujourd'hui sont coincées parce qu'elles se disent il faut quand même qu'on arrête un jour ou l'autre ce jeu hallucinant de verser des milliers de milliards aux banques qui les utilisent pour spéculer sur les marchés financiers. Mais le jour où on arrête, ça provoque un énorme krach financier sur les marchés, dont personne ne veut, pas moi, ni vous, aucun d'entre nous. Donc là, il y a quand même un énorme sujet, à mon avis, de gouvernance. Si on veut financer la transition, il faut quand même aussi qu'on ait réglé ça. Ça passe par la régulation des marchés financiers, qui, pour l'instant, n'est sur l'agenda, à l'agenda, à ma connaissance, d'aucune institution, d'aucun État, et pas beaucoup de candidats à la présidentielle en France, par exemple, pour 2022. Alors que ça me semble absolument nécessaire si on veut avoir les moyens financiers de la transition. Et puis, dernier point d'un point de vue politique, si on prend un tout petit peu de recul par rapport aux énormes enjeux politiques auxquels nous sommes confrontés pour mettre en œuvre cette transition,
On pourrait dire en caricaturant qu'il y a deux grandes options d'économie politique qui sont devant nous si on veut arriver en 2050 à une société française, européenne, mondiale qui soit bas carbone et, c'est encore mieux, zéro carbone net. Il y a une première option qui est celle à laquelle tous les militants pensent, qui est une société très décentralisée, un peu ce qui a été visé par les coopératives allemandes il y a encore quelques années, où chacun peut produire de l'énergie dans son jardin grâce à l'éolienne de son jardin ou aux panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison. Et du coup, parce que chacun est producteur d'énergie, a son mot à dire dans les décisions politiques de la société. Donc ça, c'est une démocratie participative avec une très forte décentralisation. Donc ça, et par exemple, les communs, évidemment, jouent un rôle central dans ce type d'organisation sociale. Il y a une deuxième option, qui est exactement le contraire, une société très centralisée, avec un État autoritaire, qui est en alliance directe avec le capital privé, et qui impose ses choix de société au reste du corps social, qui n'a plus les moyens de négocier. Ça, c'est l'option chinoise, clairement. Alors, qu'est-ce qui fait que malheureusement la deuxième option est possible? C'est qu'une société essentiellement construite sur les énergies renouvelables est une société très intense en capital, ce qu'on ne voit pas d'ordinaire. Pourquoi? Parce que la part du CAPEX, donc de l'investissement en capital, dans le coût de production, par exemple, du kilowattheure, avec des énergies renouvelables, est beaucoup plus importante qu'avec des énergies fossiles. Avec les énergies fossiles, vous connaissez sûrement les chiffres, c'est entre 15 et 25% la part du CAPEX dans le coût de production unitaire de l'unité d'énergie, alors que pour les énergies renouvelables, c'est 40-50, y compris pour le nucléaire, qui n'est pas renouvelable, mais on peut ranger là-dedans. Et donc vous voyez que, paradoxalement, une société construite sur des énergies renouvelables est une société très intense en capital, ce qui donne potentiellement un pouvoir de négociation colossal au capital, qui va pouvoir dire, mais si vous voulez qu'il y ait l'électricité à Paris, il va falloir qu'on construise X millions d'éoliennes, nous on a le capital pour le faire, et on va le faire, mais à nos conditions. Oui, donc je caricature. Évidemment, la solution se trouve, à mon avis, quelque part entre les deux, dans la mise en œuvre d'un État stratège démocratique, pas autoritaire, démocratique, qui assure les conditions de possibilité de la transition en la finançant en partie, en assurant que la société civile peut jouer sa part avec la construction des communs et que le secteur privé peut jouer également sa part. Donc ça n'est ni la société complètement décentralisée dans laquelle une partie d'entre nous, à mon avis, réinvestit un imaginaire anarchiste en vérité, ni la solution de Xi Jinping, mais autre chose. Donc une espèce de républicanisme écologique, à mon sens, qu'il faut réussir à mettre en œuvre. Et ça, ça veut dire quand même renouveler assez profondément la donne de, disons, des lumières occidentales européennes du XVIIIe siècle, qui ont été construites sur trois piliers, et je m'arrête là. Le premier pilier, c'est au fond la désacralisation du pouvoir, quand nous les Français, on coupe la tête du roi, et on dit voilà, ça n'est plus ni Dieu, ni la nature, ni l'histoire qui vont nous imposer nos choix de société. On va en discuter ensemble. Donc le trône, le lieu du pouvoir devient vide puisqu'on a coupé la tête du roi. Et c'est le débat démocratique qui prend la place du corps du roi. Deuxième grand pilier, le droit et l'égalité de tous devant la loi va assurer la protection des citoyens, notamment face à la tyrannie de l'État. Ça c'est Montesquieu, l'esprit des lois, la séparation des pouvoirs, etc. Et l'État de droit. Et puis troisièmement, pour nos révolutionnaires de la fin du XVIIIe, c'est la propriété privée, qui a été érigé à ce moment-là en droit inaliénable et sacré, ce que l'ancien régime n'avait jamais fait. C'est la propriété privée qui est chargée d'apporter la chair sociale au squelette que donne le droit, rendu possible par la désacralisation du pouvoir. Aujourd'hui, me semble-t-il, depuis une quarantaine, cinquantaine d'années, disons, ce qu'on a l'habitude d'appeler le néolibéralisme, qui est à mon avis un post-libéralisme, est en train de transformer tout ceci en resacralisant le pouvoir politique. On a remis à la place du corps du roi les marchés financiers. Si vous réfléchissez une minute, comment se fait-il que les marchés financiers puissent dicter à l'État ce que c'est qu'une bonne politique? Or, c'est quand même ce qui se passe aujourd'hui. On est en train de dire à l'Italie, vous avez tellement de dettes qu'il va falloir que vous vous pliez devant les marchés financiers quand même. Voilà. Donc on a resacralisé le pouvoir, et la régulation financière, pourquoi est-ce qu'elle est si dure à mettre en œuvre? C'est parce que ce qui est derrière, c'est cet enjeu majeur de où est le sacré du pouvoir politique aujourd'hui. Deuxièmement, on est en train quand même de tordre complètement l'État de droit et d'assujettir l'exercice du droit, y compris en France, à la défense des intérêts privés d'une toute petite minorité. C'est quand même ce qui se passe aujourd'hui, me semble-t-il. Et puis, troisièmement, on est en train d'absolutiser la propriété privée et de mettre en œuvre un agenda implicite de privatisation du monde qui est massif. Alors qu'il n'a pas commencé avec l'actuel gouvernement, qui est très ancien déjà, privatisation du génome, etc. Mais ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une radicalisation, me semble-t-il, de ce processus, avec y compris la privatisation du corps des femmes, par exemple, à laquelle on assiste aujourd'hui. Donc, le schéma politique, ce
qu'on pourrait appeler un républicanisme écologique, à mon avis, auquel qu'il faut substituer à ça, c'est des lumières 2.0, si vous voulez, un renouveau du programme des lumières européennes, qui est, on désacralise de nouveau le pouvoir pour réouvrir la démocratie. Donc ça, c'est tout simplement la régulation financière, qu'on ne fait toujours pas. Deuxièmement, on réinstaure l'état de droit, et vous voyez bien qu'il est quand même méchamment bafoué en Europe aujourd'hui, pas simplement en Europe de l'Est. Et puis troisièmement, on substitue à la propriété privée les communs comme étant ceux qui sont en charge d'apporter la chair sociale au squelette du droit et de la démocratie. Voilà. Ok, donc c'est mon tour. Alors, brièvement, en ce qui me concerne, je suis chercheur au CNRS, j'ai eu une première vie d'astrophysicien théoricien, et depuis 10-15 ans, je me préoccupe de problématiques à l'interface société-environnement. Je me suis intéressé successivement à des questions de pression et impact environnementaux liés aux flux de matière et d'énergie de l'économie. Je me suis intéressé à des questions de modélisation écologique et en particulier de changement d'usage des sols et d'impact des changements d'usage des sols sur certains types d'écosystèmes. La raison de ça, c'est que les changements d'usage des sols, on parle beaucoup du changement climatique, de la perte de biodiversité, les changements d'usage des sols est un des premiers facteurs de changements globaux et locaux d'ailleurs, et c'est aussi le premier facteur de perte de biodiversité, même si le changement climatique court très vite derrière pour le rattraper. Et puis plus récemment, je me suis intéressé à des questions de risques systémiques globaux à différentes échelles de temps. Donc, pour en revenir à l'objet du débat, je voudrais réinterroger la question de la durabilité. La question de la transition énergétique, c'est une question de durabilité, de façon absolument évidente. De façon peut-être un peu moins évidente, mais quand même assez rapidement identifiée, on voit relativement facilement qu'est-ce qui n'est pas durable. On a beaucoup plus de mal à définir qu'est-ce qui peut être durable. Et de toute façon, en règle générale, c'est après coup qu'on sait que quelque chose a été durable ou pas, ce qui peut ressembler à un peu à un jeu de dés. Mais on va essayer de jouer au dés intelligemment. ou alors de piper les dés, peut-être, je ne sais pas. Donc la question de la durabilité, elle est floue parce qu'on ne le sait pas à l'avance. Et puis par ailleurs, il y a plein de définitions, plein d'approches. Il y a deux approches tarte à la crème très connues. Enfin, tarte à la crème, je suis peut-être un peu caricatural. Une qui vient du rapport Brundtland, qui consiste à dire assurer les besoins et le bien-être des sociétés actuelles sans le faire au détriment des générations futures. Il y a une autre définition de la durabilité qui vient d'une idée de durabilité forte, et je ne vais pas parler de la durabilité faible, mais que de la durabilité forte. La durabilité forte, c'est de dire qu'il ne faut pas, alors c'est facile à définir, c'est beaucoup plus difficile à faire, il ne faut pas utiliser une ressource renouvelable plus vite qu'elle ne se renouvelle, ne pas rejeter dans l'environnement plus que ce que l'environnement peut absorber, en tout cas plus vite, et ne pas utiliser de ressources non renouvelables, ou du moins ne les utiliser que pour les remplacer par des ressources renouvelables. Alors, ce que je voudrais interroger sur ces définitions, en particulier la deuxième, c'est que qu'est-ce qu'on en fait face à un environnement qui est actuellement en dégradation. On est en perte de biodiversité, le changement climatique augmente, on voit en permanence des événements climatiques extrêmes de plus en plus forts, de plus en plus nombreux, des sécheresses qui s'accumulent. En France, sur les 6 dernières années, on a eu 5 années de sécheresse. Ça pose tout à fait la question que tu mentionnais à l'instant sur la question de nos ressources en eau, y compris en France, et plus largement en Europe. L'assèchement des glaciers, en Europe, ça concerne aussi l'Europe. Il n'y a qu'à aller à la mer de glace pour se rendre compte que ce n'est pas une blague. Et les glaciers, c'est ce qui alimente nos grands fleuves en été. Et nos fleuves et nos rivières, c'est ce qui alimente une partie de l'agriculture également en été, à la période où il faut irriguer. Bon, donc on a aussi, même très localement, on est ici à Grenoble, dans le Grésivaudan, il y a régulièrement des conflits sur l'usage de l'eau entre l'agriculture et le reste. Donc ce n'est pas du tout
un problème lointain, cette question d'eau, c'est un problème très proche. Donc on est globalement dans un système, dans un environnement en dégradation actuellement, et dont, même si on fait une transition énergétique, il va continuer à se dégrader, parce que le changement climatique ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, parce que la perte de biodiversité ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, la déforestation et la désertification qu'elle peut entraîner ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, etc., etc. Donc le problème de la définition de la durabilité forte dans un tel contexte, c'est que c'est quelque part une vision statique de la durabilité. On a un état du système et on veut le préserver tel qu'il est. Mais le tel qu'il est, c'est quoi? C'est quoi la norme? C'est tel qu'il est il y a 50 ans, tel qu'il était il y a 100 ans, ou tel qu'il sera dans 20 ou 30 ans, si on réussit à faire ou non la transition énergétique, sachant que de toute façon, le changement climatique n'est qu'un des problèmes de changement globaux auxquels on est confronté. Donc il y a une forme de dissonance cognitive là, entre une définition de la durabilité à laquelle beaucoup de gens croient, y compris dans les milieux scientifiques qui s'intéressent à ces questions-là, et une réalité qui est, dont l'inscription dans la dégradation est faite. Alors elle va être plus ou moins forte, chaque dixième de degré qu'on gagne, comme disait quelqu'un récemment, un des co-auteurs du rapport du GIEC, c'est toujours ça de prix. En effet, néanmoins, on est confronté à cette question-là. Ça veut dire quoi, être durable dans ces conditions-là? Et la réponse courte, c'est s'adapter. Mais cette réponse courte, elle ne définit pas ce que c'est qu'un environnement acceptable. Jusqu'à quel point la dégradation est acceptable? Qu'est-ce qu'on fait quand la dégradation devient inacceptable? Ce n'est pas un problème pour demain, hein, c'est un problème aujourd'hui pour un certain nombre de populations du Sud. Et ça va être un problème pour nous dans un avenir qui n'est pas si lointain. Alors, je voudrais, je précise, je ne suis pas du tout spécialiste ni de sciences politiques ni quoi que ce soit, néanmoins, je voudrais quand même ouvrir cette question qui est en partie une question de sciences politiques, qui peut aussi être une question de philosophie politique et qui est de toute façon une question politique, de politique environnementale. Il y a un bouquin qui est paru il y a à peu près 2 ans de chercheurs en sciences politiques australiens qui s'appelle The Politics of the Anthropocene et qui ont proposé ce qu'ils appellent une boucle de réflexivité, c'est-à-dire de s'adapter de façon réflexive. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est pas quelque chose que je vais vous apporter sur un plateau comme une solution, mais plutôt comme une piste de débat, y compris comme une piste de débat démocratique sur ce que signifie la durabilité. Alors, cette boucle, il y a 3 pôles. Alors, c'est une boucle parce qu'ils l'ont envisagée comme une circulation entre les 3 pôles, mais en fait, il faut s'occuper des 3 en même temps. Le premier pôle, c'est un pôle d'identification. Le deuxième pôle, c'est un pôle d'auto-examen. Et le troisième pôle, c'est un pôle d'action par rapport à la fois à l'identification des problèmes et à l'auto-examen qu'on a fait de dans quel état on se trouve. À l'intérieur du pôle d'identification, la question posée, c'est, question d'ordre zéro, il faut surveiller les changements. Alors, c'est ce qu'on fait, assez bien. Raisonnablement bien, du point de vue environnemental. Surveiller les impacts que ces changements ont sur l'environnement, et pas seulement sur l'environnement, y compris sur l'aspect social. Et puis, troisième point, le point qu'on fait le moins bien, en tout cas au niveau politique collectif, pas forcément au niveau scientifique, qui est d'anticiper les conditions futures et les impacts futurs. Le pôle d'auto-examen consiste à apprendre des erreurs du passé, premier point. Deuxième point, repenser, et là c'est un point très difficile, repenser ce qui constitue le cœur de nos valeurs et de nos pratiques. Qu'est-ce qui est essentiel pour nous, qu'est-ce qui est accessoire pour nous là-dedans? Et ce n'est pas une question de définition du haut, c'est aussi une question démocratique centrale. Le troisième point, il est, dont on a beaucoup parlé ces 2 derniers jours, envisager des futurs possibles. Ça, c'est le deuxième pôle de la boucle de réflexivité. La première, c'était l'identification, la deuxième, c'est l'examen. Le troisième pôle, c'est les questions de réponse. Comment est-ce qu'on réarticule nos valeurs centrales et nos discours par rapport à ces valeurs centrales? Alors,
dans le débat public, il y a tout un tas de discours plus ou moins honnêtes, tout un tas de choses. Ce n'est pas la question ici. La question, c'est vraiment, si on pose un débat démocratique honnête, comment est-ce qu'on repose nos questions de valeur, comment on repose nos discours. Et évidemment, dans la réponse, il y a aussi comment on ajuste nos fonctionnements, nos pratiques. Qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on doit abandonner. Alors, il ne s'agit pas de voir ça uniquement sous une forme de renoncement, parce que l'idée, c'est quand même de gagner quelque chose au bout du compte. Hein. Ça, c'est l'idée, c'est le concept central qu'il y a dans ce bouquin de Politics of the Anthropocene. Alors, c'est des gens de sciences politiques qui ne vous expliquent pas tellement comment on opérationnalise ce genre de truc. Et ça, c'est plutôt là que j'ai, moi, un petit peu réfléchi. Pas très loin, j'ai rien publié sur la question, mais j'y ai quand même un peu réfléchi. Alors, il est évident que le pôle d'identification relève principalement de questions de sciences de l'environnement. Il est à peu près évident aussi que les deux autres pôles relèvent de questions d'ordre sociopolitique, mais elles relèvent aussi de processus décisionnels. Et c'est là que se pose la vraie question. Il y a une question, d'émancipation collective là derrière, qui est de savoir comment est-ce qu'on améliore les capacités, les capacités au sens de scène, à la fois individuelles et collectives, pour être capable de prendre en main ces questions-là. Et là encore, il ne s'agit pas de débat institutionnel public de partis politiques, mais vraiment de la société civile, comment elle s'empare de ces questions-là. Il y a évidemment derrière, immédiatement, une question de distribution des pouvoirs. C'est très clair. Donc, la question qui est posée là, c'est d'arriver à saisir ces enjeux-là et pour, quelque part, évaluer et améliorer les processus décisionnels. Donc, si je reprends ma boucle de réflexivité là, identification, auto-examen, réponse. Il y a les trois. Je vous ai décrit ce qu'il y avait, ça c'est ce qui est explicite. Il y a des choses qui sont implicites. En particulier, je parlais des impacts environnementaux. Monitorer les impacts environnementaux, il faut être capable de monitorer les impacts pour toute société à quelque échelle qu'elle se trouve, qui se passe ici et ceux qui se passent ailleurs. Alors, ce qui se passe ici, qui sont de notre responsabilité, ce qui se passe ici, qui sont de la responsabilité de l'extérieur, ça, et ça arrive à des tas d'endroits, et ce que nous on fait, et qui a une responsabilité à l'extérieur en termes d'impact. Cette question-là, elle n'est pas explicitée dans la boucle, mais elle est absolument centrale. Et les questions sociopolitiques et décisionnelles touchent, comme je l'ai dit, à des questions de capacité, d'autonomisation, et évidemment, le mot n'est pas encore apparu, mais il apparaît tout de suite, de questions de justice et d'équité. Alors les questions de capacité, elles ont à voir sur la simple possibilité de mise en œuvre du processus décisionnel. Les questions d'autonomisation, elles ont à voir sur, directement avec des questions de souveraineté du processus décisionnel. Et les questions de justice et d'équité ont à voir avec les questions de légitimité du processus décisionnel. Et quelque part, si on n'arrive pas à assumer ou à poser ces trois pôles de fonctionnement du processus décisionnel, on n'aura pas, que ça, on n'aura pas comment dire, d'acceptation du résultat de ces décisions. Que ces décisions soient prises de façon autoritaire ou de façon démocratique par une délibération locale, c'est absolument central. Ça, c'est pour les dimensions sociales et sociopolitiques. Sur les dimensions environnementales, les questions de monitoring, tout ça, l'enjeu, il est effectivement, à peu près évidemment, d'être capable d'identifier des compromis ou des synergies entre ce qui correspond à des besoins sociaux ou politiques et des besoins environnementaux. Le tout à un ensemble de valeurs et de pratiques données, lesquelles, j'ai précisé auparavant, sont censées être évolutives, puisque la situation à laquelle on est confronté du point de vue environnemental sont évolutives. Alors, je vais conclure là-dessus. Alors, d'ailleurs, un premier point, il y a évidemment un lien avec la réflexion sur les biens communs dans ce genre de façon de poser le problème. Une des questions immédiates que ça pose, c'est la question institutionnelle. Quelles institutions pour faire ce genre de choses? Les institutions sur lesquelles on vit ne sont absolument pas adaptées à gérer ce genre de problématiques. Quand je,
Je parle plutôt d'un point de vue occidentocentré ici, mais très clairement, elles ne sont pas adaptées à ce type de problématique. Sachant ça, la question qui vient immédiatement derrière, c'est quelle stratégie politique ? Quelle stratégie politique il faut... J'ai pas de réponse, hein. Je pose des questions. Quelle stratégie politique il faut mettre en œuvre pour arriver à, quelque part, adapter nos institutions, qu'elles soient locales, territoriales ou collectives, nationales ou internationales, européennes ou autres, à ce genre d'enjeux. Et puis, évidemment, quand je viens de dire ça, je pose immédiatement la question de l'articulation entre différentes échelles, entre les entités démocratiques ou non, institutionnelles, plus ou moins institutionnelles, formelles ou informelles, entre différentes échelles géographiques et politiques. Et évidemment, il n'est pas question d'abandonner toute lutte sur les changements globaux qui réclament de la coordination internationale. C'est pas le but. Le but, à la limite, si on veut voir un but dans cette réflexion, ou du moins dans cette façon de poser les questions, c'est d'essayer d'ouvrir un espace où les citoyens se sentent plus dépossédés de la décision. Et puis je m'arrête là. Olivier ? Oui, oui, je suis assez en phase avec ce que vient de dire Pierre-Yves. Hein. Enfin, moi, j'avais mentionné trois phases de diagnostic et d'essayer de trouver des solutions, puis après de les appliquer. Et les enjeux, effectivement, sont là. On peut se poser des questions sur le processus de décision et de mise en place d'une politique visant à accompagner les changements et sur l'aspect démocratique ou pas de ce processus. Quand on parle de processus démocratique, on va s'adresser à des gens qui sont très différents, par essence, hein, dans la société. Bon, il y a des riches, il y a des gros, il y a des petits, il y a des pauvres, etc. Mais au-delà de ça, ça veut dire que... on peut avoir quand même des façons de penser qui sont complètement différentes et d'envisager les problèmes qui sont complètement différents. Et on peut imaginer qu'il n'y a pas de rapport immédiat entre une bonne compréhension des problèmes et un niveau ou une capacité de décision dans la société. J'en veux pour preuve, je crois que c'est Jeff Bezos, hein, quand il a fait son voyage là, dans la stratosphère, la première chose qu'il a dit en redescendant, je le cite avec mes mots, hein, mais c'est « on prend conscience des enjeux environnementaux quand on voit la planète de haut, etc. » Enfin, je veux dire, c'est quand même... C'est une façon chère de prendre conscience. C'est quand même une façon un peu chère de prendre conscience pour quelqu'un qui, a priori, doit être informé, en tous les cas, qui a une capacité d'information et quand même une certaine culture. Donc, quand on voit ça, on se dit qu'on n'a pas gagné, quoi, hein, et qu'on peut imaginer tous les processus démocratiques que l'on veut et les meilleures façons de faire. Je crois que la difficulté première, elle part quand même de la vision qu'on a tous en tant que citoyens de ces affaires de changement climatique et aussi de notre intérêt personnel là-dedans, malheureusement. Donc voilà, c'est une première réflexion que je me faisais. Je veux dire, c'est pas seulement un processus à mettre en œuvre, même s'il est nécessaire, c'est aussi quand même une prise de conscience d'abord individuelle avant de passer collective. Et on n'est pas aidé, en fait, en tous les cas, dans les pays riches, par notre environnement tous les jours, hein, la publicité, etc. Je veux dire, c'est quand même des choses qui sont prégnantes, hein, quel que soit notre niveau d'éducation. Et c'est pas du tout pédant quand je dis ça, mais voilà. Donc il y a peut-être des choses aussi simples à régler avant de penser, d'imaginer une refonte d'un système. On va dire politique, pour amener à plus ou moins de démocratie. Il y a des choses simples à mettre en œuvre et qui ne sont pas mises en œuvre. Moi, quand j'étais jeune, je me souviens très bien, en 1974, qu'il y avait des spots publicitaires qui passaient à la télé. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Hein. C'était quelque chose qui passait de manière récurrente. Moi, qui m'a marqué. Hein. Je me souviens encore de ces spots publicitaires après bien des années. C'est pas vraiment quelque chose que l'on voit. Hein. Actuellement, en France, en particulier, pourtant c'est pas très dur à faire. Donc, et ça fait partie d'une dispense de l'information qui peut être faite de manière plus ou moins rigolote. Et je crois que on en manque. On fait ça pour les cigarettes, par exemple, mais il y a d'autres enjeux et la transition énergétique en font partie, qui sont tout aussi importants. Cette question-là,
Alors, c'est pas très structuré, hein, mon discours là, mais c'est juste en réponse à ce qu'ont dit Gaël et Pierre-Yves avant. Cette question-là, on peut la poser aussi au niveau de différents pays, avec différents niveaux de développement. La vision qu'on peut avoir dans les pays riches n'est certainement pas celle qu'on peut avoir dans un pays en voie de développement, hein, où l'aspiration peut être première, peut être d'accéder à l'éducation, d'accéder à la santé, d'accéder à même à la nourriture, bien sûr. Et compagnie. Donc voilà. Et tant qu'on aura ces hétérogénéités très fortes, finalement, on va avoir beaucoup de difficultés à avoir un mouvement commun qui devrait être celui de la transition énergétique, entre autres. Donc, comment est-ce qu'on arrive à organiser tout ça en ayant un niveau d'agrégation ou des différences plutôt importantes entre des pays, des façons de penser et même au sein des pays, cette diversité qui est bonne, hein, enfin en soi, c'est pas, je ne parle pas d'uniformiser tout le monde, mais comment est-ce qu'on arrive à aller vers un mouvement commun en considérant les aspirations individuelles qui peuvent être très différentes des individus. Et je crois que c'est une question qu'on doit aussi se poser au-delà, bien sûr, hein, de celle que tu as mentionnée, Gaël, qui concerne les appareils et les mécanismes financiers et toute cette infrastructure, bien sûr, ou que tu as mentionné, Pierre-Yves, mais je veux dire au niveau vraiment de l'individu aussi et de son intégration dans la société, et puis plus loin dans le monde, il y a des vraies questions de premier ordre qui me paraissent éclatantes et qui sont pas pour lesquelles j'ai pas de réponse, hein, bien sûr, mais voilà. Donc, bon, c'est peut-être un travail de sociologue plutôt que d'économiste, de géologue ou d'astrophysicien, mais voilà, le débat doit être ouvert. Je crois qu'il est très important. Je réagis à mon tour peut-être à ce que tu as dit, Pierre-Yves, sur la question du monitoring même environnemental. Et donc, effectivement, on peut supposer qu'il est relativement raisonnablement bien fait. Et en même temps, au moment où tu l'as dit, je me suis dit, ah, il y a quand même un point aveugle. Oui, je me suis dit que aussi des voilà, choses. Mais j'en cite un qui est, vous savez sûrement ça, le gap qu'il y a entre la mesure du méthane qu'on observe dans l'atmosphère en particulier au-dessus de l'océan Arctique, et la mesure des émanations de méthane qu'on a du côté terrestre. Oui, tout à fait. De ce côté-là. Alors vous savez qu'il y a un gap entre les deux, et que l'hypothèse quand même qui a été formulée depuis 2018, c'est que la différence viendrait d'émanations de méthane maritime, et donc de la fonte du permafrost au fond de l'océan Arctique. Et donc la question à quelques dizaines de milliards, je suppose, que ça pose, c'est est-ce qu'on peut mettre des balises pour mesurer ça à la surface de la mer ? Parce que si le permafrost au fond de l'océan Arctique a déjà commencé à fondre, et s'il y a déjà du méthane qui s'échappe de là, on est parti sur des scénarios qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on a en tête. On est parti sur un tipping point catastrophique en termes de climat. Voilà. Et donc je suis très étonné que la communauté internationale ne mette pas les 15 milliards qui vont bien pour qu'on ait ces mesures. Or, c'est absolument central. Alors voilà, ça c'est une réaction. Et puis l'autre, c'est sur les questions démocratiques. Alors on en a parlé cet après-midi et on a appris, moi j'ai appris avec, j'étais content d'apprendre que ce miracle démocratique, hein, qui est la Convention citoyenne pour le climat, à mon avis, fait écho finalement, trouve un écho dans ce qui se passe dans l'administration publique française. Pas du tout dans le gouvernement, mais dans l'administration. Il faut bien distinguer l'administration et le gouvernement, même si ce gouvernement veut faire croire qu'il est l'État lui tout seul. Mais alors il reste que, à mon avis, il y a une difficulté qu'on a un tout petit peu évoquée aussi cet après-midi, qui est le pouvoir de lobbying très intense du secteur bancaire, y compris sur l'administration publique. Pas tous les secteurs de l'administration publique, mais une partie d'entre elles, Bercy pour ne pas la nommer. Et donc je redis ça parce que malheureusement ça me semble central. Non seulement nous sommes au-dessus d'une bulle spéculative qui va exploser un jour ou l'autre. Et le jour où elle va exploser, si on n'a pas pris des mesures pour se protéger, ça va faire encore beaucoup plus mal qu'en 2008. Et on aura encore plus de difficultés à financer la transition. Mais en plus, on a un secteur bancaire qui est dopé aux énergies fossiles, qui a financé, l'addiction de nos sociétés aux énergies fossiles depuis plus de 40 ans, largement, et qui a dans ses bilans énormément d'actifs financiers liés aux énergies fossiles. Donc j'ai contribué à la publication d'un rapport en juin qui montre ça, et qui montre que sur les 11 premières banques européennes, en moyenne, la valeur actuelle des actifs financiers directement liés aux énergies fossiles dans les bilans de ces banques représente en moyenne 95% des fonds propres de ces banques. Et une banque, si elle perd 95% de ses fonds propres, ne peut plus opérer, elle est en faillite.
Et donc, ce que ça veut dire très concrètement, c'est que si, ce qui ne va pas arriver, mais si demain matin nous étions sérieux et que nous disions à la fois le charbon, le pétrole et le gaz sont des actifs échoués, plus personne n'a le droit de les vendre ou de les acheter. Et donc, leur valeur marchande tombe à zéro. Ces 11 banques, les 11 premières banques de la zone euro, seraient toutes en faillite. Les banquiers sont intelligents, ils le savent. Ils ont fait ces calculs. Même s'ils les ont fait moins finement que nous l'avons fait nous, peu importe. Ils ont compris qu'une transition écologique rapide signifiait la fin de leur business et la faillite de leur banque. Et donc, ils sont debout sur le frein. Même s'ils font semblant, ils font du greenwashing. Mais vous avez sûrement regardé l'excellent livre de Julien Lefournier et Alain Grandjean sur la monnaie, la finance verte, la prétendue finance verte, qui pour l'instant reste une illusion. Hein. Donc les green bonds ne sont pas vertes, ni plus vertes, ni moins vertes que les obligations émises par tout le monde, bon. N'en déplaise au Trésor français. Bon. Et donc ça pose une énorme question, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas aidé le secteur bancaire à se débarrasser de sa propre addiction aux énergies fossiles, les banques, avec le pouvoir qu'on sait qui est le leur aujourd'hui, continueront de faire du lobbying pour empêcher tous les autres acteurs d'avancer à marche forcée du côté de la transition. Et tous ces autres acteurs sont connus. Le secteur industriel privé est tenu par la dette, par les banques. Donc toutes les banques sont capables de rappeler à n'importe quelle entreprise qui a beaucoup de dettes, écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais vous avez des dettes à nous rembourser. Donc nous, on pense que vous devriez faire ça. Et on est votre créancier, donc on a un petit peu notre mot à dire sur ce que vous allez faire dans les 15 prochaines années. Vis-à-vis de l'État, c'est encore plus simple. Hein. À la fois, vous dites, vous rappelez à l'État qu'il a beaucoup de dettes, et puis vous proposez à un certain nombre de vos fonctionnaires de multiplier par 10 son salaire s'il accepte de pantoufler dans la banque. Donc vous avez les deux moyens, la carotte et le bâton, et c'est assez efficace malheureusement. Donc il y a quand même une opération, à mon avis, centrale à opérer pour le bien de notre démocratie et pour la transition écologique, qui est de débarrasser nos banques des métastases fossiles qu'elles ont dans leur bilan. Et par rapport à ça, il n'y a que trois options. Il y a celle que tu évoquais tout à l'heure, Pierre-Yves, avant qu'on arrive devant les caméras, qui est, on provoque au fond la faillite des banques, et une fois que leur valeur est nulle, on les nationalise, et là, on les débarrasse de leurs actifs fossiles, et on les oblige à financer la transition. Ce qui est peut-être ce qu'on va faire. Mais disons que c'est la solution la plus brutale. La plus dangereuse. La plus dangereuse aussi, parce que la faillite bancaire peut intervenir en 24 heures, donc vous ne contrôlez pas trop le processus quand même. Deuxième option, qui est probablement celle vers laquelle les autorités européennes vont se diriger dans les années qui viennent, qui est ce qu'on a fait en 2009, c'est-à-dire créer des banques de défaisance, des bad banks en anglais, qui vont acheter probablement au prix fort les actifs fossiles dans les bilans de nos banques, avec de l'argent public, et qui vont assumer elles-mêmes la perte de valeur de ces actifs, pendant que nos banques pourront continuer de folâtrer dans les marchés financiers. Ça, c'est une solution qu'on a mise en œuvre en 2009, qui me semble une mauvaise solution, parce qu'in fine, la dette de ces bad banks va être reportée dans le bilan des États. Et ça va devenir de la dette publique, puisque ce sont des banques publiques. Et si c'est de la dette publique, ça veut dire qu'in fine, c'est quand même le contribuable qui paye. Donc ça revient à faire payer l'absolution donnée à nos banques par le contribuable, ce qui n'est pas une bonne idée à mon avis. Il y a une troisième option, qui est d'utiliser le fait que nous avons une banque centrale en zone euro, qui s'appelle la BCE. La BCE pourrait racheter ses actifs fossiles à nos banques en créant de la monnaie, ce qui est son boulot de banque centrale, porter dans son bilan ses actifs fossiles, assumer la perte de valeur de ses actifs fossiles. Ça ne coûtera rien à personne et la BCE ne pourra pas faire faillite, quoi qu'il en soit. Est-ce que ça sera préjudiciable à la valeur de l'euro? Une fois encore, si les investisseurs étrangers, californiens, BlackRock, tout ce que vous voulez, prennent conscience, comprennent que c'est le meilleur moyen de sauver la zone euro, ils seront très contents, contrairement à ce qu'on croit. Donc c'est le meilleur moyen de sauver l'euro, en vérité. Alors évidemment, ce n'est pas orthodoxe, mais c'est tout à fait compatible avec les traités, la BCE a le droit de le faire. Bon. Et à mon avis, il faudrait qu'elle le fasse, évidemment moyennant une décote, c'est-à-dire qu'elle ne rachète pas les actifs à leur prix de marché actuel, mais par exemple à 80% de leur prix de marché, de sorte que nos banques comprennent quand même que c'est la fin de la récréation. Et évidemment, la BCE le fait conditionnellement au fait que nos banques ne financent plus du tout de projets bruns à l'avenir. Vous savez qu'aujourd'hui encore, ça a été encore montré dans le dernier rapport d'Oxfam, sur 10 euros de financement des banques françaises du côté de l'énergie, il y en a 7 qui vont du côté des énergies fossiles. Et c'est pas comme ça qu'on avance du côté de la transition. Vous voyez, et donc, il y a ces grandes options sur la table dont il faut absolument, à mon avis, qu'on puisse discuter dans l'espace démocratique français et européen pour rendre possible la transition énergétique et écologique en Europe. Je vais peut-être pas être aussi long parce qu'autrement on n'aura peut-être pas trop de débats avec la salle. Donc je vais rien dire sur la transition, il y aurait plein de choses à dire, on en discute en permanence. Sur cette histoire de dette, on vit dans un système où l'argent est une dette de nos jours, quasiment essentiellement.
Mon commentaire, il est de pointer du doigt que c'est directement, qu'il y a un lien direct avec ce que j'ai dit. Cette histoire de la dette et du remboursement des dettes, c'est à la fois une valeur et une pratique. Alors, c'est une valeur pour un certain nombre de gens. C'est aussi un intérêt bien compris de ceux qui sont du côté de l'encaissement des intérêts de la dette. Et c'est bien d'ailleurs la partie du problème. Mais il y a aussi des gens qui sont du bon côté, pour qui c'est une valeur indépendamment de leur bénéfice. On a un souci avec ça. La question de l'annulation des dettes, le fait que l'annulation des dettes soit devenue quelque chose d'impossible. Alors d'abord, c'est comme le disait Gaël il n'y a pas longtemps. C'est ce qu'on raconte dans le débat public, mais néanmoins de l'annulation de la dette, on en fait tout le temps. Historiquement, de l'annulation de la dette, on en a fait depuis des millénaires, que ce soit dans la société israélienne antique ou entre les grandes civilisations antiques. Il y avait, par exemple, entre l'Égypte et les autres civilisations méditerranéennes, il y avait régulièrement des annulations de dettes parce que ça devenait plus possible, etc., des choses comme ça. Si vous voulez lire un bouquin intéressant, alors, qui est devenu, je pense, assez connu maintenant sur les questions de dettes, il faut lire le bouquin de Graeber qui s'appelle « 5000 ans, histoire de la dette, les 5000 dernières années » ou quelque chose comme ça, enfin, en tout cas, un de ses bouquins les plus connus. Je pense qu'il est devenu connu, d'ailleurs, Graeber, à cause de ce bouquin. Ok. Mais des annulations de dettes importantes, récentes, il y en a eu. Dans les années 50, on a annulé la dette de guerre de l'Allemagne de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc, 1953. Comment ? En 1953. Ah oui, tu te souviens de la dette. Je ne me souviens pas exactement. Comment ? J'étais pas né. Non, mais moi non plus. on est face à une question de choix, là, démocratique au sens littéral. Accepte-t-on une annulation de dette ? La question que je posais tout à l'heure, réviser ses valeurs et ses pratiques, elle se pose aussi à ce niveau-là. Et c'est un très bon exemple de ce que je pense peut être un élément de débat dont les citoyens se saisissent. S'il n'y a pas une pression citoyenne sur ce genre de questions, il n'y a pas beaucoup de chances que ça évolue très vite. Alors après, il y a la possibilité, comme tu l'as dit, qu'effectivement, les bailleurs de fonds finissent par réaliser que s'ils continuent à scier trop longtemps la banque sur laquelle ils sont assis, ça va aussi mal se terminer pour eux. Ça, c'est un levier. Mais il y a aussi des leviers démocratiques. Et c'était le cœur de mon discours, cette histoire de boucle de réflexivité. C'est une façon... Une façon, c'est pas la seule, c'est une façon de redonner aux gens au moins de la capacité à discuter des vrais enjeux sans avoir l'impression qu'ils sont enfermés. Alors après, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Hein. Ouais, moi j'ai l'impression que quand tu dis les gens, en fait c'est une frange très particulière de la population. Alors, en fait. Ok. Il y avait le point sur les pays riches par rapport aux pays pauvres. Ou même à l'intérieur d'un pays, non, tu vois des disparités. À l'intérieur de nos pays, on n'est pas tous armés de la même façon par rapport à ce genre de discussion. C'est pour ça que j'avais précisé qu'il y avait un enjeu de capacité. C'était précisément cette question-là. Après, encore un coup, c'est facile à dire et pas facile à faire. Je m'arrête là. Du coup, j'avais une question sur cette histoire de dette, finalement, parce qu'on entend dire que tous les États européens sont hyper endettés, et on a l'impression, quand on ne connaît pas le fonctionnement de tout ça, que du coup, ils sont pieds et poings liés, qu'ils ne peuvent pas démarrer une transition parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, ou on ne comprend pas forcément bien pourquoi. Et je comprends en filigrane de ce que vous racontez que finalement, on pourrait imaginer pardonner aussi éventuellement la dette de ces États. Je ne sais pas si c'est idiot ou pas ce que je dis. Et pour qu'ensuite, ils puissent s'endetter correctement pour pouvoir lancer cette transition, quoi. Ou que la BCE crée de la monnaie pour se faire ou je ne sais quoi. Tu veux réagir ? Je veux réagir. Oui, je peux répondre rapidement puis tu complètes le... Donc le mécanisme est simple. Hein. Dans la zone euro, les États n'ont pas le droit d'emprunter ailleurs que sur les marchés financiers. C'est une décision qu'on a prise, en fait, qui est inscrite dans les traités, qu'on avait déjà mise en œuvre à partir des années 70 en Europe de l'Ouest, sur laquelle on devrait revenir. Puisque, au fond, pour la France, par exemple,
Les circuits des trésors de blocs lainés ont permis de financer la reconstruction de la France en une génération. Aujourd'hui, on ne pourrait plus. Il faudrait implorer les marchés financiers pour le faire. Si la dette est trop élevée, les marchés financiers commencent prétendument, hein, c'est ça le scénario, hein, à avoir peur qu'elle ne soit jamais remboursée, augmentent du coup le taux d'intérêt auquel ils sont prêts à prêter à un État, ce qui rend le coût de la dette encore plus lourd pour l'État en question. Et ça se termine à la manière dont ça s'est terminé pour la Grèce, donc avec, disons, un plan d'ajustement structurel imposé par le FMI, Bruxelles et la BCE, qui a, disons, ruiné la Grèce pour les 20 prochaines années. Donc tous les pays veulent éviter ça. Et du coup, tous les pays, en anticipant, pour l'instant, se disent « j'ai intérêt à passer par les fourches caudines de mes créanciers si je veux réussir à survivre ». Comment est-ce qu'on échappe à ça? Donc la question, c'est celle à laquelle tu faisais allusion. Il se trouve que, et c'est un peu une chance, la Banque Centrale Européenne a racheté des titres de dette publique depuis plus de 10 ans. Et elle en détient pour plus de 2000 milliards dans son bilan aujourd'hui. Donc elle fait partie des gros créanciers de nos États. Elle est tout à fait capable de renoncer à cette dette sans mourir. Et sans même que ça fasse mal à qui que ce soit, à quiconque. Ça voudrait dire techniquement qu'elle aurait des fonds propres négatifs, mais pour ceux qui auraient oublié, la Banque des règlements internationaux, la BRI, qui est située dans une charmante petite ville qui s'appelle Bâle, en Suisse, a publié un rapport il n'y a pas très longtemps, rappelant à tout le monde, et la BRI est la banque centrale des banques centrales, donc elle sait un petit peu de quoi elle parle, qu'une banque centrale peut opérer avec des fonds propres négatifs. Ça pose aucun problème pour le fonctionnement de la banque centrale. C'est elle qui crée de la monnaie. Alors, la raison pour laquelle cette solution n'est pas débattue comme elle devrait l'être aujourd'hui dans le débat démocratique, à mon sens, c'est qu'un certain nombre de nos petits camarades ne veulent pas que le grand public se rende compte du pouvoir de création monétaire de la Banque centrale. Parce que si on s'en rend compte, si les prochains citoyens membres de la Convention citoyenne, pour quoi que ce soit, se rendent compte que la BCE peut créer de la monnaie et que l'argent magique, en fait, ça existe, mais qu'actuellement, ça n'existe que pour les banques, ils vont demander que ça existe pour les gens. Il y a des propositions qui circulent depuis plusieurs années d'un quantitative easing for people, un assouplissement monétaire pour les gens, c'est-à-dire que la banque centrale créerait de la monnaie pour les gens, plutôt que pour les banques, ce qui ne serait pas idiot. Donc notamment, Alain Grandjean et Nicolas Dufresne ont fait une proposition magnifique dans un livre qui s'appelle « La monnaie écologique », qui est que la Banque centrale européenne crée de la monnaie ex nihilo pour financer un grand Green New Deal au niveau européen. Et elle pourrait très bien le faire, ce serait techniquement parfaitement faisable. Je crois que la résistance, elle est qu'un certain nombre de nos amis ne veulent pas qu'on puisse se rendre compte de l'outil extraordinaire dont on dispose. C'est un peu comme si vous jouez au Monopoly, et puis en fait, il y a quelqu'un dans le Monopoly, dans le jeu, là, qui a accès à la banque sous la table, depuis des années. Et tous les autres joueurs ne le savent pas. Alors évidemment, ce quelqu'un s'enrichit dans des conditions hallucinantes. Il n'a pas du tout envie que vous sachiez qu'il y a un canal qui permet d'accéder à la banque. C'est exactement ça. Donc le quelqu'un en question, c'est tous ceux qui bénéficient du secteur financier et du secteur bancaire, et tous les autres, c'est vous et moi. Et les États. Et les États aussi, oui, tout à fait. Absolument. C'est une question de convention, fondamentalement. Donc on est sur une convention où la monnaie est créée, l'essentiel de la monnaie est créé par les banques privées, via des prêts, et où la banque centrale est effectivement en capacité de siffler la fin de la récré si elle a envie, sauf que les traités ne sont pas faits comme ça. La BCE est quand même aussi soumise à des traités. Alors des fois, elle peut s'asseoir dessus. Mario Draghi, il s'est quand même un peu assis dessus au moment de la crise de 2008. Mais ça ne se passe pas toujours très très bien. Je ne sais pas si vous avez fait attention récemment. Il y a eu, en particulier par rapport à la politique de la Banque centrale de rachat des dettes des États, la cour de Karlsruhe, allemande, a levé le doigt en disant « Hop, on n'est pas d'accord, c'est pas conforme au traité ». Est-ce que la cour a fait ça parce qu'elle était dans l'idée qu'elle ne voulait pas que les gens se rendent compte qu'il y avait de l'argent magique? Non, elle ne l'a pas fait pour ça. Elle l'a fait parce que, dans la mentalité allemande, ils sont encore dans le traumatisme successif de la République de Weimar, de l'hyperinflation de la politique de Weimar, et puis de la catastrophe qui a suivi la crise de 1929, qui a été extrêmement dure en Allemagne. Ça a été dur dans plein de pays, mais enfin, eux s'en sont pris plein la figure à cette période-là. Pour eux, une dette est une dette, on n'en déroge pas.
Alors après, il y a aussi du jeu politique, évidemment. Il y a aussi des intérêts politiques de court terme qui interviennent dans ce genre de position. Mais donc, on est quand même dans un jeu de relations de pouvoir, finalement. Comment est-ce qu'on fait évoluer la politique sur la création monétaire? C'est une question de relation de pouvoir, c'est pas une question de capacité à créer au nom de l'argent. Sur cette question de finance, de monnaie, y a un mythe, je pense, qui est encore très majoritairement partagé, c'est que l'argent, c'est neutre. L'argent, c'est ? L'argent, c'est neutre, mais c'est partagé au café du coin, mais c'est partagé aussi, j'ai l'impression, il y a une expression chez les néoclassiques, le voile de la monnaie. La monnaie, c'est du troc, etc. Donc, il n'y a même pas de concept de dette, il n'y a pas de temporalité, donc sans même parler de pouvoir. C'est compliqué, parce que du coup, le livre de Grandjean, moi, je ne l'ai pas lu, je vais le faire, mais il y a une question. Pour que le débat démocratique ait lieu, pour que on puisse dire la finance sans que ce soit notre ennemi, en tout cas c'est un enjeu. Comment on commence à aborder ces questions avec des néophytes? Parce que moi j'ai même pas les arguments, quoi. Je sens bien qu'il y a un problème, mais si je dis va écouter Gaël Giraud pendant 2 heures, il faut que j'ai une accroche de 5 minutes pour pouvoir commencer à amorcer les réflexions. En fait, c'est un débat qui est intéressant parce que c'est une question qui s'est posée en Suisse de manière avec beaucoup d'acuité il y a quelques mois, puisque les Suisses ont opté pour vous savez que les Suisses ont des votations à intervalles réguliers, des espèces de référendums au niveau fédéral. Et le vote, cette fois-ci, c'était sur ce qu'on appelle le 100% monnaie. Je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, pour répondre à la question posée, il fallait avoir une connaissance assez fine du secteur bancaire et du secteur de la banque centrale. Et 99,9% des Suisses n'en ont juste aucune idée. Ils ne savent pas d'où vient la monnaie, etc., comme nous tous, comme une bonne partie d'entre nous. Donc c'est un vrai sujet. Les réponses, c'est, honnêtement, Alain Grandjean a fait un site magnifique qui s'appelle The Other Economy, auquel j'ai un peu contribué modestement, mais c'est surtout Alain qui l'a fait avec Marion Cohen, où là, il y a ce genre de choses qui est expliqué. J'avais écrit un petit livre en 2013 qui s'appelle L'illusion financière, où j'ai réexpliqué tout ceci, je crois assez en détail. Voilà. Il y a quand même des moyens de s'informer aujourd'hui. Alors évidemment, ça prend du temps, malheureusement. Mais là où tu as absolument raison, c'est qu'il y a un enjeu de formation dans nos universités, puisque dans 99% des départements d'économie des grandes universités, sans même parler des écoles de commerce, on continue d'enseigner que la monnaie est un voile, qui est une aberration expliquée par les économistes néoclassiques, dont l'origine est un économiste français, malheureusement, Jean-Baptiste Say, qui est le premier à avoir utilisé cette métaphore. Donc l'idée sous-jacente à laquelle s'accrochent les économistes néoclassiques, c'est que la quantité de monnaie en circulation dans une économie n'a pas d'autre impact sur l'économie que de fixer le niveau général des prix. Donc pour les physiciens, c'est une jauge en fait. Et donc si vous multipliez par 2 la quantité de monnaie en circulation, ça ne fait que multiplier par 2 tous les prix. Et les prix relatifs, en particulier le prix d'une orange versus le prix d'une heure de cours d'anglais, restent le même. Et donc ce postulat de neutralité de la monnaie habite la totalité de l'économie néoclassique, y compris celle de quelqu'un comme Thomas Piketty, hein, qui fait comme si la monnaie était neutre, est évidemment complètement faux. Toutes les études empiriques montrent que la monnaie n'est jamais neutre. Donc on multiplie par 2 la quantité de monnaie en circulation, ça a des impacts colossaux sur le chômage, la dette, la croissance évidemment, le déficit commercial, le déficit public, etc. Voilà. Ça c'est un moyen pour les économistes néoclassiques d'évacuer la monnaie. Parce qu'une fois qu'on a dit que la monnaie est neutre, bon, bah, on fixe la jauge du niveau des prix, après on peut oublier la monnaie et faire comme si on était dans une économie de troc. Donc le paradoxe, c'est que nos amis néoclassiques nous construisent des modèles dans lesquels il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de matière, donc tout ce dont on discute, mes deux voisins, et puis un petit peu moi quand même aussi à Georgetown, n'existe pas. Il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de secteur bancaire, et l'État n'investit pas, personne n'a de dette. Donc c'est un monde qui n'existe pas en fait, hein. Donc un monde sans énergie, sans matière et sans monnaie, c'est peut-être, on pourrait imaginer des sculptures, des œuvres d'art, c'est du capital mort, quoi. C'est ça, hein. Et encore, c'est une idée de capital mort, parce qu'il n'y a même pas de matière pour faire une sculpture. Voilà. C'est ça un peu le monde des néoclassiques. Voilà. C'est ça quand même qu'il faut jeter par la fenêtre. Ouais. Il faut quand même un jour ou l'autre que nos sociétés se débarrassent de ça et qu'on sente à qu'on reconstruise une économie qui tienne la route, quoi. Le drame de ça, c'est que la plupart des enseignants d'économie ne le savent même pas.
Ils ne savent même pas où ce qu'ils enseignent n'est pas vrai. Et quand on leur dit, ils l'ignorent. C'est quand même problématique. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a une autre question par rapport à ce que tu as demandé, c'est-à-dire comment je mets une accroche. Mais alors, c'est un problème général, ça ne concerne pas que la monnaie, tout ça. C'est toujours beaucoup plus difficile de déconstruire une idée reçue qu'on peut énoncer comme ça, que de l'énoncer. Ça prend toujours beaucoup plus de temps. Et on vit dans un monde où le span d'attention du téléspectateur, c'est que le span d'attention du poisson rouge, comme disait je ne sais plus qui il n'y a pas longtemps, tu n'as pas le temps de déconstruire quoi que ce soit. Alors même si les gens ont envie de regarder, et même s'ils ont l'attention intellectuelle pour, ils n'ont pas le temps. Moi je vois, à mon échelle bête à moi, à quel point j'ai moins de temps maintenant qu'il y a 20 ans. Oula. Peut-être un point qu'on peut rajouter, quand même, c'est une difficulté aussi à déconstruire une idée reçue, c'est acceptable si on a une vraie alternative à proposer. C'est très difficile pour les institutions, y compris la psychologie d'un individu, hein, pour revenir à l'individu d'Olivier. Donc c'est plus difficile si on a le constat implicite qu'il n'y a pas d'alternative. Alors ce qu'on veut essayer de faire ensemble, tous les trois, avec vous tous en fait qui êtes dans la salle, c'est de construire des modèles alternatifs, des modèles économiques dans lesquels il y a de la matière, il y a de l'énergie, il y a de la biomasse, il y a de la biodiversité, le jour où on y arrivera, et puis de la monnaie, voilà. Le gros point important, c'est d'aller faire du lobbying chez les banquiers qui, eux, font le lobbying généralisé, de leur dire, mais en fait, votre planète Mars et votre Suède... Mais non, mais ce n'est pas une question ça, de lobbying, c'est compliqué. Vu ce qu'on a dit juste avant. C'est une question qu'ils comprennent qu'à un moment, ils vont perdre moins en lâchant qu'en ne lâchant pas. C'est pas une question... Alors, si, on peut considérer que c'est du lobbying, mais... c'est pas du lobbying au sens habituel où tu arrives et tu répètes un truc suffisamment longtemps dans l'oreille du décideur et il finit par le croire. C'est pas ce lobbying là. Ben, moi ce que je constate de vos discussions et des questions qui sont posées, c'est que finalement on a un système qui est supposé servir le citoyen quelque part, hein. Les banques elles ont quand même été créées pour ça, le système politique aussi, et qui devient un problème en période de transition rapide voulue. Donc, moi, je ne vois pas bien comment sortir de cette boucle, sachant que ça représente finalement une... je reviens sur mon idée d'avant, c'est que la proportion de personnes impliquées dans ces systèmes qui restent très élitistes, hein, et qui gèrent les décisions est extrêmement faible par rapport à la frange de population qui n'a même pas idée des enjeux et que ça les concerne. Oui, le lobbying, effectivement, à haut niveau, c'est une solution, ça ne marchera jamais. Il n'y a aucune raison que ça marche. Et je ne vois pas comment on peut sortir de cette boucle-là, si ce n'est avec perte et fracas, quoi. Enfin, avec un petit peu de violence. Voilà. Je te trouve pessimiste. Hein. Oui, je pense que tu es plus optimiste que ça. Mais... Oui, finalement. Hein. C'est-à-dire, je constate quand même qu'il y a un certain nombre de nos décideurs qui finissent par changer. Il y en a quelques-uns. Hein. Je ne vais pas les citer ici, mais y compris les banquiers. Hein. Les banquiers qui arrivent à 55-60 ans et se disent « j'ai quand même fait beaucoup, beaucoup de bêtises dans ma vie ». Oui, c'est ça. Non, mais ça, qu'ils fassent le constat, ils sont assez intelligents pour le faire. Mais certains d'entre eux quittent la banque. Ils vont se racheter une âme en travaillant au shift, etc. Quoi. Enfin, je veux dire, ça existe. Ils se reconnaîtront. ça existe. Voilà. Donc, il y a quand même des conversions individuelles, personnelles, qui s'opèrent. Après, la question, c'est comme dans un modèle d'easing. C'est-à-dire, il faut que ça diffuse à la totalité de cette petite élite qui a les pouvoirs. Et pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, il y a un problème de transition de phase. Mais j'ai quand même le sentiment que travailler à la fois au niveau top-down, c'est-à-dire au niveau des élites, en favorisant la diffusion la plus rapide possible de la transition de phase, et au niveau bottom-up, en aidant le corps social, la convention citoyenne, à mobiliser et à bouger tout ça, on doit pouvoir y arriver.
Oui, sinon, je ne sais pas ce qu'on fait. Espérons. Non, mais tu as raison. Il faut évidemment être. Alors, moi, je suis plutôt pessimiste, mais quand même, je voudrais dire quelque chose qui va plutôt dans le sens de l'optimisme, qui est on ne sait jamais quand la transition de phase s'opère. C'est-à-dire, avant que quelque chose ait changé, on a toujours l'impression que le système est tellement verrouillé que ça ne changera jamais. Je prends toujours le même exemple. Une semaine avant la chute du mur de Berlin, personne n'aurait parié un copec sur la chute du mur de Berlin. Enfin, Emmanuel Todd peut-être, mais mis à part lui, j'en sais pas trop. Et pourtant, le mur de Berlin est tombé. Donc, en fait, le problème, c'est que vous ne savez jamais à quel moment une action, ou du moins une mobilisation citoyenne, finit par percoler suffisamment pour produire des conditions de changement. Donc c'est ça qui fait que je continue personnellement à me bouger. Autrement, je ferais les trucs qui m'intéressent, quoi. Je ferais de la musique, de la marche. J'essaie d'en faire un peu aussi, hein, mais si je ne savais pas ça par l'expérience historique, il y a des expériences historiques où on ne sait pas très bien. Quand le roi, pour reprendre le cas du roi auquel on a coupé le cou, on a tué le corps du roi, convoque les états généraux, il devine absolument pas que ça va mener à la révolution juste derrière. Enfin, oui, quasiment juste derrière. Ça a été un peu violent, hein, quand même. Hein. J'ai pas dit que ça n'a pas été violent. C'est pas mon discours. Mon discours, il est tu ne sais pas quand une action déterminée ou un mouvement de fond. Avec une pointe émergée de gens qui sont actifs et une pointe, et un iceberg immergé de gens qui considèrent qu'effectivement il y a quand même quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Tu ne sais jamais quand ça débouche sur un basculement ou un changement ou une prise de conscience. Ou, alors ça peut finir sur une révolution qui tombe du mauvais côté de la tartine, hein, je suis d'accord avec toi, ou sur des évolutions plus... Mais ce n'est pas forcément le bon ou le mauvais côté de la tartine, c'est dire qu'on a des décisions à prendre et une évolution qui doit être extrêmement rapide. Hein, on est au-delà du pied du mur. Même. Ben oui, donc c'est on va dire deux décennies quoi, au maximum. Qu'est-ce qui fait, comment est-ce qu'on peut changer un système qui est extrêmement bien établi et qui semble complètement imbougeable, hein, comme l'a décrit un peu Gaël et toi aussi, par le haut. Et bon, tu as espoir, c'est très bien. Tu fréquentes plus ces gens-là que moi. Moi, je m'interroge. franchement, je m'interroge. Moi, je me pose la question de... savoir si les institutions dont on dispose actuellement ne sont, même si on doute de leur capacité telle qu'elles sont actuellement à résoudre le problème ou à être en capacité d'avancer, il y a quand même des frémissements et des changements qu'on peut y voir, et notamment le fait que, par exemple, le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, soit en train de se transformer pour intégrer de façon récurrente des jurys citoyens. Ces jurys citoyens nécessairement vont travailler sur des questions qui intéressent la société. Et je me pose la question de, justement, ces questions qui ne viennent pas dans le débat public, est-ce que on n'aurait pas les moyens de les injecter dans ces jurys citoyens, de faire en sorte que ça rentre en fait dans une institution qui est là pour débattre, pour donner des avis et qui a la capacité à s'autosaisir de certains sujets. Donc ça, c'est peut-être une petite nouveauté. La Convention citoyenne a eu des effets, a produit des effets et très certainement va continuer à en produire. L'un d'entre eux est l'institutionnalisation de cette forme de participation citoyenne. Alors, avec toutes les limites que ça peut comporter, etc., parce que c'est du coup un peu plus cadré. Mais néanmoins, c'est un canal qui, je pense, pourrait être mobilisé pour poser les questions qui aujourd'hui ne sont pas dans le débat public. Oui, je suis tout à fait d'accord là. Je suis absolument d'accord. Donc c'est une condition nécessaire. Je crains que ce ne soit pas suffisant au sens où aujourd'hui le gouvernement se fiche pas mal de ce que fait le CESE, malheureusement, hein, alors qu'il est tenu en principe de répondre aux questions du CESE, mais il ne le fait pas. Mais ce n'est pas propre à ce gouvernement, le précédent ne le faisait pas non plus. Hein. Et donc à mon avis, il faut même aller un peu plus loin et demander par exemple que le CESE puisse contribuer au débat parlementaire,
et qu'il puisse y avoir par exemple une saisine de l'Assemblée nationale qui oblige le gouvernement à répondre aux questions dès lors qu'il y a un mouvement citoyen qui a recueilli tant de voix, ou bien que par exemple les jurys citoyens au CESE ont réussi à faire valoir auprès du CESE qu'on voudrait qu'il y ait un débat de cette nature au sein de l'Assemblée nationale. Ce qui obligerait au moins le gouvernement à répondre aux questions qu'on lui pose, ce qui n'est même plus le cas aujourd'hui. Et encore ça, c'est pas encore suffisant. C'est-à-dire, je crois qu'il y a une vraie... donc ça, c'est un peu le thème quand même de la VIe République. Il y a une vraie refonte de nos institutions à penser, liée au fait qu'on en a parlé un tout petit peu cet après-midi. D'une certaine manière, la IIIe République était complètement déséquilibrée du côté de l'Assemblée nationale. Donc, le cœur du pouvoir et de la fabrique politique était à l'Assemblée. Et l'exécutif était, disons, sans intérêt. Et vraiment l'exécutant, pour le coup, des décisions qui étaient prises à l'Assemblée nationale. Avec la cinquième, on a complètement déséquilibré la répartition du pouvoir dans l'autre sens. Et c'est l'exécutif qui cumule tout. Et au fond, ce qui se décide à l'Assemblée nationale, ce qui est bien ce qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs, n'a quasiment plus aucune importance pour le gouvernement. Donc il y a un rééquilibrage à opérer, ce qui suppose probablement quand même une réécriture de la Constitution et une marche forcée vers une sixième République. Mais si on fait ça, alors je suis tout à fait d'accord, il faut à ce moment-là qu'il puisse y avoir des représentants des jurys citoyens à l'Assemblée nationale qui interpellent le gouvernement et obligent le gouvernement à rendre des comptes. C'est très clair. Enfin, je pense que vous êtes tous conscients du fait qu'effectivement on est dans un régime exécutif, que l'argument de dire qu'un régime législatif, ou du moins plus équilibré entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire, en faisant référence aux crises récurrentes de la 4e République, il est quand même un peu court, parce qu'il y a des tas de pays qui ont des systèmes équilibrés et où ça marche, à commencer par l'Allemagne, qu'on prend toujours en exemple, mais pas sur précisément, comme par hasard, pas sur ce sujet-là. Effectivement, si on veut faire évoluer quelque chose du point de vue institutionnel, il paraît clair que la première chose, c'est de rééquilibrer les pouvoirs. Il y a un autre aspect peut-être qu'on peut, porteur d'espoir, hein, qu'on peut peut-être mentionner, et je crains qu'on... Moi, en tout cas, je vais devoir m'arrêter là. C'est du point de vue de la construction européenne, puisqu'il y a quand même 80% du droit qui prévaut en France aujourd'hui est construit à Bruxelles, plus à Paris. Donc ce qui se passe au niveau européen est fondamental pour nous. Donc c'est clair pour tout le monde que, au fond, dans les années 90, l'équipe Delors a construit la jambe économique et financière, l'a mal construite, mais a essayé de la construire, mais a complètement négligé la jambe politique. Et c'est ce qui fait que la BCE aujourd'hui n'a pas de vis-à-vis politique, il n'y a pas de gouvernement européen auprès de qui elle puisse rendre des comptes. Il n'empêche que ce qui s'est passé l'année dernière, c'est-à-dire l'acceptation par nos amis allemands, pour la première fois, de l'émission d'une dette communautaire. Évidemment, en disant l'an dernier, c'est la première et la dernière fois, on ne recommencera plus jamais. Bon. C'est un précédent. Et évidemment, une fois qu'il y a un précédent, on peut le recommencer. Ça veut dire qu'à condition que le remboursement de cette dette communautaire se fasse par la levée d'une nouvelle ressource fiscale, et pas du tout en demandant à chaque État individuellement de rembourser sa quote-part, et par exemple, une nouvelle ressource fiscale, ça pourrait être une taxe carbone aux frontières de la zone euro, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a un début de budget. On a un embryon de budget communautaire avec une ressource fiscale européenne et des dépenses européennes et une dette européenne. Et ça exige in fine quand même un trésor européen et donc un ministère de l'économie et des finances européen. Et donc un gouvernement et un exécutif européen. Donc ça peut être, l'avenir va nous le montrer, ça peut être l'embryon de la construction du gouvernement européen qui nous manque depuis plus de 20 ans et que l'équipe Delors n'a jamais voulu faire. Voilà, et ça c'est porteur d'espoir aussi. Merci à tout le monde aussi.